Pour de nombreuses femmes, le rêve du mariage peut se transformer en cauchemar. Le mythe de la virginité est encore présent dans de nombreuses sociétés, comme au sein de la communauté musulmane, mais pas uniquement. En France, le gouvernement veut interdire l'établissement d'un certificat de virginité et envisage de pénaliser les médecins qui continueraient à établir ce document. Anan Ben Abdeslam est sage-femme, et pour elle, il faut surtout démystifier la virginité. C'est la raison pour laquelle elle donne des cours d'éducation sexuelle. C'est très important qu'on en parle, parce que c'est un silence qui tue. Dans certaines familles, dans certaines cultures, la loyauté est très importante. Et malheureusement, la loyauté, on la voit par rapport à l'hymen chez la femme. La fille doit être cadrée, on va dire, doit être dans un cadre. Et si elle ne respecte pas ça, elle pourra être rejetée de la famille. L'honneur d'une famille tient à une fragile membrane appelée l'hymen. La science a pourtant démontré que cela ne peut pas servir de preuve. Certaines femmes naissent sans hymen, ou bien il peut être rompu pour de multiples raisons. Le docteur Johan van Wimersch fait partie des gynécologues qui pratiquent des interventions chirurgicales pour reconstruire cette membrane. Il reconnaît que cet acte est contesté au sein du corps médical. Il y a deux camps, je vais dire, dans les gynécos. Il y a des collègues qui disent non, on ne le fait pas. En fait, c'est contre les droits de l'homme, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, on ne participe pas. Et moi, avec les collègues qui le font, moi, je considère à aider les jeunes, surtout les jeunes filles, qui se présentent avec la question. Et en fait, ils n'en peuvent pas, ce sont les lois de la religion. Et donc nous, comme médecins, j'estime qu'il faut aider les jeunes femmes et c'est pour ça que je le fais. Ce certificat de virginité soulève aussi la question du droit des femmes à disposer de leur corps. Un groupe d'eurodéputés a décidé de transmettre une question à la Commission européenne afin d'interdire l'établissement de ce document au niveau européen. C'est une atteinte claire et nette de la dignité de la femme, de sa liberté. Qu'est-ce que c'est un certificat de la virginité? On demande, on examine un corps pour savoir s'il a eu des rapports sexuels. On est en 2020, en Europe, je le rappelle. Ce sont des pratiques qui ne sont pas compatibles à nos valeurs de démocratie, à nos valeurs de liberté. Certaines voix soulignent qu'une telle interdiction pousserait de nombreuses femmes à recourir à des solutions beaucoup moins encadrées et beaucoup plus dangereuses.